Et bonjour, bonjour à tous, c'est Parco 2020 et on se retrouve pour l'épisode 24 de WWE 13 Attitude RA. Toujours, on continue dans cette aventure. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Alors, après la fin de. Alors. Après une fin de match des plus suspects lors du match avec Rick en Royal Rumble, Michael demandait un match retour dès le lendemain soir pour la prochaine édition spéciale de Sunday Night Heat. Le match sera filmé dans une arène vide, puis diffusé lors de la mi-temps du plus grand match de football américain de l'année. Ce match devint l'un des matchs les plus insolites de l'histoire de la WWE. Champion. Oh là, j'ai du mal à parler. Aller en coulisses et remporter la victoire par tombée, soumission. D'accord. Et objectif caché. Oh, bon. Oui, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de public. On n'entend rien dans la pièce, dans la salle, quoi. Ça fait bizarre. Oula. Oh, je suis pas habitué à ne pas entendre les bruits de la foule. Allez en coulisses. Ouais, je veux bien, mais c'est quoi l'objectif caché? Oh là là, je sais plus du tout. Bon, on va essayer de pas de faire de fail, hein, comme dans la vidéo précédente. Oui, j'ai failli, encore une faille monumentale, hein. Mais vous commencez à me connaître, hein. Monsieur Fay, non, je rigole. Ça fait bizarre, hein, de pas entendre le public là.
Aller en coulisses et remporte le match, la victoire par tomber ou soumission. Ouais, mais c'est quoi l'objectif là? Je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Oh là. Super. Super génial. Bah alors, j'appuie sur le bouton. D'accord. Génial, c'est génial. J'adore me faire laminer devant tout le monde. Comment ça, trop tôt? Non mais, c'est quoi ça? Trop tôt là. Ça y est, ça va co commencer. Ah l'enfoiré. Bon, j'aimerais bien qu'il se relève là, le Mike là, parce que là. C'est quoi ces coups là? Ça fait mal, genre quoi. Je crois pas que ça fait mal, ça, la preuve. La preuve en est, hein, qu'il m'arrive à me contrer quand même, hein. Un petit coup spécial. Hop. Voilà. Balancer. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas grave. Ouh, en tout cas, bel enchaînement. Bel enchaînement, bravo. Je me mets des fleurs à moi-même. Hop. Hop. Ah, ça aussi, c'est un bel enchaînement. C'est bizarre, il n'y a pas de public. Bizarre. Non, mais je sais que bon, je sais qu'il n'y a pas de public, ça fait partie du scénario, mais je veux dire, la première fois que j'ai fait ça, on entendait quand même le public, un certain public qui criait, je crois. Ou c'est moi qui a dû rêver. Mais j'ai. Non, faut pas s'énerver. Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Je vais juste l'en pas fait. The Rockman. The Rockman. Non, 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 non. Allez. Petit coup là, pour la fille, pour la fin. Ouf, ça fait mal. Viens. Avec moi, The Rockman. C'est ici là, ça se passe. Cinématique, non? Je sais plus. Je sais plus. Alors, faites une prise à The Rock. Appuie sur. Alors. Ah, mais j'ai pas le temps de lire. Il m'attaque déjà. Mais oui, là. Mais oui, mais oui, mais oui. T'as cru quoi, là? T'as cru quoi, là? T'as cru quoi, là? Wesh, t'as cru quoi là, wesh, wesh. Oh l'enfoiré, il m'a lancé comme ça. Ah, c'est un chariot élévateur. Mais je sais plus où il est, chariot élévateur, là, justement. Tiens! Ah, si, il est là-bas. Attends, il est là-bas. Il est là-bas. Ah, viens, on va aller au chariot élévateur, il est là-bas. Où il est là, je sais plus. Non, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, The Rock? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tain. Tain. Ça, c'est quoi, PV?
Dégage. The Walkman. Allez, Common. Ah, il est pas là? Bah si, il est là. Ah si, il est là, il est là, il est là. Chariot élévateur, il est là, là. Non? Ah si, il est là, ouais. Allez, viens. Oh! Oh! Hop là! Chariot élévateur! Le mec, le malin. Donc on gagne l'arène et un match bonus qu'on va faire tout de suite là. Il est malin. Ouais, malin. Ouais, vous voyez qu'il y avait le public qui gueulait derrière. C'est bien ce que je pensais. Hein. Bon, bah, on va continuer. Match bonus. Match bonus. J'avais dit que dans la vidéo précédente, il nous restait 21 matchs. 21 matchs moins 2, 3. Donc 17 ou 18 matchs qui restent à faire. Alors Triple H Ken. Alors la semaine précédente Ken interféra lors du match pour le WWE Champion entre Triple H et The Rock, ce qui coûte le match à Triple H. Dans ce match, Ken et Triple H s'affrontent pour la première fois dans un match strict cage des plus percutants. Ce match lors du main event de Raw présente Triple H en tant que légitime aspirant au titre au WWE. Mais aussi son potentiel en tant que top superstar de la WWE. Ouais, il lance un peu des fleurs à Triple H quand même. Ouais. Alors, exécuter un corner dit combo, c'est quoi ça déjà? Oula, remporte la victoire sans utiliser de finish. Remporte la victoire en s'échappant de la cage. Oh, mais c'est quoi ça, le corner? Ah oui! Oh là là, ça va être chaud, ça. Bon. Ben, c'est parti. Steve Austin and Mr. McMahon will face each other in 2 weeks inside a steel cage at St. Valentine's Day Massacre. But tonight, Triple H will face the corporation's Kane inside a steel cage. Well, Kane knows it's better to be part of the corporate family than to be locked up in an insane asylum. Thank you.
On est parti. Alors, c'est quoi déjà le Canadien Bun machin là? Oh là 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 là. Non mais attends, sans finish. Est-ce que c'est... Ah bah oui, j'ai fini le jeu, donc évidemment, normalement. C'est réalisable, hein. Donc en fait c'est dans les cordes je crois, si je me rappelle bien. Attendez, hop. Non ça c'est pas là, c'est pas ça. Attends, il vient de se prendre un truc, ça vous voyez, ça c'est pas bon. Ça c'est un défaut de tous les jeux de tous les jeux que THQ a fait au niveau du catch. C'est un défaut. Voilà, c'est le gros défaut. Que je trouve à cette série. À cette série, oui, à cette série de jeux de catch. C'est un défaut, hein, franchement. La capacité de... énorme. Qu'ils ont les catcheurs à se relever à une vitesse, or que nous regardez, nous on est KO quoi, or que le joueur il met 2 ans à se relever. Non, l'ordinateur lui non, lui il est déjà debout frais comme un gardon, or qu'il vient quand même se prendre je sais pas, un coin du ring, comment ça s'appelle, il vient de se prendre quand même la cage en pleine gueule, en pleine tête pardon. Et non le mec, non il a rien, il me frappe même tranquille normal, j'ai rien. Je viens de me prendre 2 fois la cage en pleine tête de plein fouet, mais c'est rien. Que je vais y arriver. Ah voilà, c'est ça, voilà, c'est ça le machin. Voilà, j'en ai fait 10. Hop. Oh, je pourrais profiter, mais comme je sais qu'il va se relever. Alors pas de finish hein. Sans utiliser de finish. Ah ça va être show time hein. Par contre les coups spéciaux, est-ce qu'on a le droit de les... Je sais pas par contre ça. J'ai jamais essayé, puis j'essayerai pas parce que après je vais encore faire un fail et puis la vidéo va mettre encore 2 heures à se faire. Ah d'accord, en fait quand tu l'as fait une fois le truc, tu peux plus le refaire. D'accord. Voilà, là il s'est pris la cage, hein. Normalement il doit pas se relever. Mais il va se relever. Dès que je vais monter par exemple, voilà. Ça c'est le défaut du jeu. Je trouve ça énorme. C'est le défaut, franchement, c'est le défaut, le défaut de tous les jeux de catch de SmackDown, de THQ, c'est le défaut. Le mec, il vient de se prendre de plein fouet la cage, et non, le mec, il se relève comme si rien n'était. Ouais, c'est moi le boss. The boss, hein, The Terminator Man, c'est ça, regardez, voilà. Il s'est pris quand même pas mal de coups, et il arrive à se relever. Ça c'est mal fait. Non je suis pas d'accord avec là je suis pas d'accord avec THQ. Pas d'accord avec THQ parce qu'en vrai il se relève pas aussitôt hein, comme dire.
Non, il se relève pas aussitôt, c'est pas possible. Même le Ken de l'époque, genre machin. Ouais. Ah, c'est pas possible, voilà. Ah d'accord, ouais. Ah mais moi je suis pas d'accord là. Avec ça, vous voyez, c'est un défaut qui devrait se modifier au fil du temps, et non, et pas du tout en fait. Et on a l'impression que bah, il sera jamais modifié, donc c'est triste, c'est dommage. Parce que c'est pas réaliste du tout. Pas réaliste du tout. Pas du tout. Un catcheur ne peut pas se relever d'un après avoir reçu de plein fouet une cage, être envoyé dans une cage contre un barreau, quoi. Voilà. Échappez-vous de la cage. Ah, mais ils m'ont pas dit si. Ah, mais ouais. D'accord, ils m'ont pas dit. Je peux m'échapper de la cage comme ça. Eh oui, j'avais oublié. Non, mais là, il va me rattraper, ça, c'est clair. Le temps que je fais pour appuyer sur le bouton. Non? Non, je sors? Ah! Génial. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, cool. Ah, bon, c'est cool, c'est cool. La Triple H 99. Je me rappelais pas de ça, tiens. Bon. Écoutez, ben, c'est sur ce deuxième combat que je vais vous laisser. Comme ça fera pas longtemps. Ça fera 25 minutes. Ce sera cool. Allez, écoutez, je vous dis, portez-vous bien, puis amusez-vous bien, et puis on se retrouve pour la suite prochainement. Allez. Ouais, bye bye.